Salut, c'est Gunther. Et bienvenue pour un replay d'American Truck Simulator. Donc on venait dans la vidéo précédente bah, de terminer de visiter le Wyoming et désormais bah, je suis arrivé dans l'Idaho et exactement à Idaho Falls. Donc bah, avant de commencer à faire, on va dire, nos missions, et aller se balader, il faut faire un petit tour assez important pour découvrir trois points, on va dire, d'intérêt. Je pense qu'il y a un job center, un garage avec un vendeur de camions, et qu'y a-t-il d'autre? Sûrement un point d'intérêt justement. Avec une cinématique, et c'est ce qu'on va découvrir tout de suite. Donc j'ai fait un petit comment dire parcours. Alors c'est chiant parce que là pour tracer des parcours c'est complètement con. Il te fait passer par des trucs si tu vas trop. Donc il faut mettre plein de petits points successifs. Sinon il te fait faire 300 km pour faire 3 mètres quoi. Des fois c'est tu te dis que c'est un peu con quand même. Quand je dis qu'il y a des camions étebés, il n'y a pas que ça qui est teubé. Je pense que ça va être une petite vidéo. Alors attends que je. Tiens, mais qu'est-ce qui me fait faire encore? Ah oui, bon. C'est un peu compliqué, je vous dis. C'est des tours, des détours, mais c'est comme ça que ça marche. Sortir là il y a le premier point et là ça va être la cinématique je pense. Thank you.
Je pense que c'est après. Ouais, c'est ici. Ah, mais non, c'est le Drive Staffing Agency. Non, donc bah, c'est ailleurs que ça se trouve. On va tourner. C'est pas ici. Je pensais que ce serait là. Mais ici, en fait, c'est le Job Center. Donc on va se mettre là. Donc là c'est limité à 50. Et là je pense que le prochain c'est un garage. Et je pense pas qu'il y ait deux job center, donc ça veut dire que le troisième sera de toute façon, voilà, c'est il y a un truc pour réparer, donc il y a un garage pour réparer. Il y aura forcément un marchand, et là on le voit, ouais, ça doit être un marchand, je pense. On va voir ça, on va voir ça. Là, c'est pour la sortie de l'autoroute, on prend pas. On est toujours à 35. Là, on se prépare à tourner, et c'est Peterbilt. Je pense que même. En passant devant, ça devrait être bon. Voilà. Ok. Hop. Bon, le mec, il vient carrément avec son truc de. Une nouvelle portion de route, génial. Je te dis, il y a des tartes qui se perdent. Et on va se chercher ensuite une petite mission, enfin suffisamment grande quand même. Wow.
C'est pas. Là, c'est un. Découvert un nouveau point d'intérêt, donc c'est bien une cinématique. Moi, je pensais que c'était de l'autre côté, voilà, mais ça doit être le tour de la ville d'Idaho Falls. Attends, là c'est ici, je pense que ça doit être là. On peut. Là, là. Ouais, c'est ici. Hamburger. Super. C'est ça le point d'intérêt. Allez, c'est parti! Donc là, c'est la ville d'Idaho Falls. Donc, a priori, les chutes. La chute d'eau, Falls. Parce que c'est aussi l'automne, mais c'est Fall. Sans S. Je pense que c'est les chutes, voilà. Ouais, c'est les chutes d'Idaho. Voilà, bon. Et bien maintenant, trouvons-nous un travail. Offre de traction. Nous sommes ici et nous voulons. Alors, Idaho. Boise. Oui, ça fait une bonne petite trotte. Idaho, Twin Falls. C'est un petit peu mieux payé. Twin Falls. Sinon, tout Idaho, Twin Falls, 9000, et c'est un convoi assez lourd. Ouais, mais c'est 9000. Bon, on va prendre ça. On va essayer. Généralement, je prends des trucs que je peux pas faire. On va faire encore 50 000 km pour juste faire un petit aller-retour. Ah bon, ça c'est chiant. Allez, oh non, mais c'est pas vrai ça.
passer avant d'être trop tôt ici à passer. C'est pas bien ça, c'est pas bien. Ça va être à nous. Bah, on se fout de la gueule de la France finalement en disant il y a des ronds-points partout, mais au moins il n'y a pas de, il n'y a pas d'à-coups dans la circulation, parce que là tu as un feu tous les 10 mètres, ce qui est pas mieux. Hein. Alors que normalement tu pourrais tourner, voilà. Mais lui il se fout dans la, il se fout dans la file où il veut pas tourner, il veut aller tout droit. Le paquet. Bah c'est oui, on était avant là, je pense que c'est où on est passé là. Il y a le marchand de camion. Alors, offre de traction. 9000. Voilà, c'est lui.
On peut atteler. Super. J'espère que... Oui, je crois qu'on peut passer de l'autre côté. Sinon, ça sera la merde. Ah oui, super long. Ouais, d'accord, ok. Je comprends, je comprends. 900$, super, ça commence bien. Oh là là, puis là il faut prendre le virage. Bon, on va pas rouler trop vite. Ça y est, c'est bon, je pense qu'on est sur la route là. Allez, c'est parti. Bon, ça, on gagne pas beaucoup d'argent, mais en même temps, c'est finalement, c'est pas plus mal. Ça y est, on est à la vitesse de croisière, presque, on est à 66. On ne devrait pas tarder à être à 70. Bon, là, il y a une petite montée. Donc, on ralentit un petit peu. On croise les doigts pour que ce ne soit que passager.
11h29, bon, ça c'est rapide. Pocatello, dans un demi-miles. Super, lui se met sur la file de gauche pour doubler personne. C'est une moissonneuse batteuse là. L'Idaho, oui, c'est un. C'est plutôt agricole, je crois, l'Idaho. C'est peut-être pas pour rien qu'on voit des camions. Pour une première fois, je dirais que je suis bien centré sur la route là, sans les vents. I love Idaho. Local, fresh, tasty. Ça se trouve, c'est une bière. Une bière locale, fraîche, goûteuse. Sur l'autoroute, c'est cool ça. Non, enfin, je sais pas si c'est pour ça. Ça se trouve, c'est pour une limonade. J'ai pas fait attention. J'ai juste vu le commentaire. C'est ça qui est bien, c'est que des fois, t'as des pubs. College of Southern Idaho. Twin Falls Sun Valley dans un miles. La vallée du soleil dans un miles. Et nous on va sortir dans un miles aussi. Les mecs qui ralentissent pas, ben, c'est normal, c'est 70. Mais comme il va y avoir un feu, même si c'est un feu vert, on va juste te ralentir un petit peu. Nickel. Donc là on est à 60. On va
rester dans ces zones-là. Ah! On va s'arrêter peut-être ici. Je pense qu'il va y avoir une petite vidéo. Une petite. Ben justement, la Sun Valley. Perhaps. Peut-être. Ok, let's go. On avait découvert un nouveau point d'intérêt. Ok. J'ai vu, je suis tout excité. Ok, on va aller voir notre petite découverte. Tac, Perrin Memorial Bridge. Perrin Memorial Bridge. Oh! Beautiful. C'est très joli. Très sympa. Ah oui, oui, c'est un peu le pont qu'il y avait dans l'Aveyron fait par Eiffel. Un pont avec une structure en fer comme ça qui est. Ah ouais, je suis de l'Aveyron. On va voir tous les monuments de l'Aveyron, il n'y en a pas des masses. Donc c'est. Oui, ça me fait penser à ça. C'est un peu le même style de. Je parle pas du viaduc moderne, hein, qui est vraiment la spectaculaire. Et moi, je vous avoue que comme je crains un peu l'altitude, rien que le fait de passer sur un pont. Ça me fout les pétoches. Hein. Heureusement, il y a des grands trucs sur les côtés pour pas trop voir, parce que moi, je pourrais pas conduire dessus. Franchement, je l'ai jamais passé, mais je préfère faire un détour plutôt que de passer dessus. C'est ça le vertige. Moi, je me souviens. Bah, pour ceux qui connaissent la région de Roquefort, avant d'arriver à Roquefort, dans la ville de Roquefort, vous avez une rue un peu, vous avez une route, pardon, un peu, vous savez, genre des routes du guide Michelin bordées de vert, pour des routes, on va dire, qui sortent un peu de l'ordinaire, qui sont, voilà, sympathiques à voir, des routes. Sauf que c'est des routes qui sont à flanc de précipice, voilà, à flanc de montagne, et avec des à-pics qui sont parfois, voilà, très très importants. Et franchement, moi j'étais petit, j'étais presque carrément sur les genoux de mon père. Ouais. Ah non. Moi j'avais des oncles qui se baladaient, qui étaient ah regarde là-bas, ils étaient au bord, mais au bord. Hein. Les mecs, ils avaient. C'est tout juste si le pied dépassait pas, n'était pas dans le vide. Moi, quand je fais ça, là, moi je suis mort. Hein. Non, moi je m'approche, je suis. Allongé par terre, sans déconner, je suis allongé par terre. Je ne supporte pas. Alors, ce qui est assez bizarre, c'est que j'ai été une ou deux fois en hélico, et j'ai pas du tout ce sentiment. Alors pourquoi? Parce que c'est con. Je suis attaché, et deuxièmement, dans un hélicoptère, quand on est aux places arrière, ben vous avez une porte, et puis c'est la bulle, c'est sur l'avant, c'est le pilote, mais toi tu vois un petit peu comme ça. Et j'ai pas peur. J'ai pas peur en avion, pareil, parce que en avion, bon bah tu vois le truc, mais t'es attaché, tu es dedans et t'as pas cette impression de. C'est con et bizarre. Par contre, dans un immeuble. Alors attends, hop, excusez-moi. Hop, on va faire ça. Chez moi, j'ai pas du tout, parce que je suis pas à une altitude assez élevée. Par contre, j'avais une tante qui habitait dans le. Comment dire qui habitait. Ben, une tante de l'Aveyron, là. Une des sœurs de mon grand-père qui habitait à l'époque, c'était pas encore, on n'appelait pas ça le quartier chinois, mais dans une tour. Alors là, pareil, hein, panique à bord. Voilà, c'est
pour découvrir le centre de repos, c'est tout. Ben, pendant qu'on y est, il n'y a rien d'autre à voir là. Oh, ben c'est en plus, c'est ici qu'il faut que je me gare. Trop bien! Voilà, ça c'est du gain de temps là. Qu'est-ce que je raconte comme connerie? Ah bah si, mais il y a encore deux trucs. Là, il y a le garage, il y a encore deux garages. Oh, d'accord. Là, il y a trop de circulation. On va quand même commencer à se mettre en position. Allez, c'est bon. De toute façon, là. C'est Mac. Bon, je suis désolé, mais il faut que je le découvre, donc il faut que je change des fois un peu de vie. Je sais, ça n'est pas une conduite franchement très orthodoxe. Mais bon, je veux découvrir tout. Moi, c'est. Je suis pas complétionniste, hein. Enfin, franchement, les jeux que je fais, je les finis. Et s'il me manque 300 trucs, je m'en fous. Je les finis une fois, moi, ça me suffit, hein. Mais par contre, j'aime bien. Là, franchement, j'aime bien tout découvrir. Puis c'est pas compliqué. Hein. Il suffit de rouler un peu. Donc c'est long, mais ça peut se faire. Ensuite, il y a Jackpot. Ah bah non, Jackpot, c'est sur la frontière, c'est de l'autre côté. Donc on peut pas y aller. Par contre, il faudrait aller à Boise. À Grangeville. Ou à Sandpoint. Ok, on est presque arrivé, voilà. Ah oui. On va pas me dire que je te dérange, hein. Je suis bien. Pour une fois que je suis bien sur ma file, hein. Regardez le pauvre gars là en face là, qui met des cartons à vie comme ça, toujours le même, dans sa benne, c'est terrible. Il y a un film qui vient de sortir avec Reynolds, je sais plus comment il s'appelle, enfin l'acteur, c'est celui qui fait Deadpool, et qui fait Free Guy, je crois. Ah oui, c'est ça, ça doit être Free Guy. Ben, j'aimerais bien le voir, parce que déjà j'adore ce mec qui est complètement con, mais dans le bon sens du terme, c'est un mec sympa. Et puis j'adore Deadpool, la BD, j'ai quasiment toutes les BD de Deadpool. Je l'aime bien parce que justement ça sort un peu des héros en pyjama, c'est un anti-héros.
Et je trouve qu'il est, il est plutôt cool. Et le mec qui fait Deadpool, bah, je sais plus. Je dois dire qu'il a une bonne tête. Une bonne tête et puis les. Et cool. Ryan Reynolds. Et le truc s'appelle Free Guys. Et l'histoire, c'est en fait un NPC dans un jeu vidéo, donc un non-player caractère, qui découvre en fait qu'il est dans un jeu vidéo et que bah, en fait il est rien. Donc on va déjà aller rendre notre truc, hein, puis on viendra regarder après. On terminera sur la petite vidéo, voilà. Parce que là, le chemin est complètement pour gare. Bienvenue à la campagne, hein, les enfants. Voilà. Ouais, ouais, l'Idaho, c'est bien un état agricole. Où dois-je le placer? Oh, tout droit, ça va. Bon, on continue à progresser. Bon, alors, on avait dit. Ouais, on peut sortir de l'autre côté et en plus, on découvre un bout de chemin que, bah, normalement, on ne ferait jamais. Donc, on va le faire. Hein. Et juste à côté, on a notre petit point pour nous indiquer où se situer, où se placer. Donc, là, il ne doit pas y avoir 100 000 personnes qui nous attendent. Donc là, visiblement, ça doit être une coopérative ou une ferme. Allez, et là donc, ferme de pommes de terre de Twin Falls. Punaise, d'accord. Eh bien, si on apportait des pommes de terre dans une autre ville. Mais alors pourquoi ils ont besoin d'une moissonneuse-batteuse? Tiens, voilà mon beau camion. Mon beau camion, il se voit tout de suite, il est orange, il est bien, il est beau. Ok, eh bien c'est superbe. Eh bien, on va se trouver un petit job là. On va se trouver un petit job. Donc, toute cette zone-là. Alors, offre de traction. Qu'avons-nous à. Ici, à Twin Falls. Donc, il est. Là, on n'a rien. Utah, Wyoming, Utah, Oregon, nouveau, New Nev. Enfin, c'est quoi, NV? Elko. Utah, non. Ah, merde, tu vas pas me dire qu'il y a. Bordel de Dieu, il n'y a rien. Oh non, 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 non. Bon, bah, et. Dans les contrats externes, mais il va falloir que je les fasse tout de suite là. Utah, Wyoming. Ouais, ah, Idaho, Lewiston.
Bon, il faudrait être peut-être un truc un peu plus court. Nevada, Nevada. Ah oui, le Ketchum. Est-ce qu'on se fait une petite... Oh, Ketchum, c'est un poids lourd. Non, oula, là, on va pas faire ça parce que là, après, l'Oregon, l'Idaho, Boise. Ah, bah, ça a l'air d'être pas mal, ça. Bah, du foin, Twin Falls, Boise, et c'est Farmer Barnes. Si ça se trouve, c'est à côté d'où je suis, avec un peu de chance. Et comme j'ai fait que 2 heures de route, hein, j'ai de quoi encore faire quelques heures, je pense. Et avec un peu de chance, la Farmer Barnes, c'est peut-être là où je suis. Donc, j'aurais pas allé bien loin pour récupérer le colis, le chargement. Non, c'est quand même à 8 miles. Coast Mining, Home Store. Attends. Il me fait aller où ce con-là? Putain, mais je suis sûr que c'est derrière là. Ben voilà, non mais je vous dis des fois c'est le mec qui te fait faire 300 km pour rien du tout quoi. Hop là, c'est ici. Et c'est parti pour notre petite livraison de foin. J'ai 126 miles, 2 h 30. Et oula, bah j'ai de quoi faire. Hein. Ouais, c'est pas ouais. Super. Bon, voilà. Deux villes de découverte. Impeccable. Avec la ville de départ, on vient de découvrir trois villes. Musique de western. Ah, c'est parti, mon petit
pourquoi? C'est pas les montagnes, hein, qui arrivent, hein. Ah non, do not stop on track. Ne vous arrêtez pas sur la voie. Sur les rails. Une phrase pleine de bon sens, à mon avis. Hein. Il faut pas s'arrêter sur les rails. Les Américains, c'est pas des idiots. Alors, donc, on va ici. Toc, toc, toc. Ah là, bon, tant pis, on loupe là. On arrive à Farmer Barnes, voilà. Et donc, ici, à Boise, on a 3 points. Et on terminera avec les 3 points, voilà. Plus je joue à ce jeu aux États-Unis, là même, c'est vrai. Souvent, les gens, les Européens disent ouais, les Français, les rois du rond-point, il y en a de partout. Mais finalement, on s'arrête jamais. C'est vrai. Une fois que tu connais le principe, au lieu, il n'y a que des ronds-points, hein, je veux dire. Ça, de ce côté-là, c'est vrai que c'est bien pratique. Hein. Moi, quand le samedi, quand je vais faire mes courses, je m'arrête quasiment pas. Il y a que des ronds-points. On tourne de tous les côtés. C'est quoi, c'est pour nous? Ça doit être ça, ouais, c'est ça. En plus, c'est la police. Je vais peut-être pas la percuter. Ça serait pas une bonne idée. Oui, quelle heure? 14h57, 15h, 16h. Ça va le faire facile. Le pont qu'on a vu tout à l'heure. Si, regardez ça. Wow, nickel. Parce qu'il va falloir sortir pour changer d'autoroute.
Jérôme et Doise. Petit ballon, un petit dirigeable, un petit dirigeable, un petit ballon. On peut pas aller plus de 65 là, donc oui, parce que là dans les comment dire dans les transports qui sont faits par les utilisateurs, il y a une limite qui est 65 par exemple. Du côté Euro Truck Simulator, je crois que tu peux pas dépasser le 90, mais de toute façon tu peux pas dépasser le 90 en temps normal. Donc c'est pas gênant outre mesure. Ça y est, on est arrivé, donc
a été quand même super rapide. Donc là, je pense qu'il va falloir sortir à un moment donné. On va se rabattre. À la sortie, c'est ça. Hop là. Bon, puis après on fera notre petit itinéraire pour visiter. Donc je pense job center, garage, enfin vendeur de camions et un point d'intérêt, je ne sais pas lequel. Je pense qu'il s'agira encore d'une petite vidéo qui nous présentera la ville de Boise, qui est connue. Hein. Enfin, moi je connais. Enfin, je connais. Je connais le nom. C'est plus de la culture G qu'autre chose, hein. J'y ai jamais mis les pieds, bien évidemment. Je pense que c'est ici. Je pense que ça va être tout droit. Allez, donc on va passer. Ici, on peut même bon, alors maintenant on va faire notre petit circuit. On est ici, donc on va aller là premièrement. Si on pouvait y aller par là, ce serait plutôt pas mal. On va faire comme ça. Non mais. Ah, punaise, ils sont. On peut pas aller par là, là. Non. Deux. Trois. Putain, mais ils sont. Bon. Oh, les mecs, ils sont teubés de chez teubés, hein, franchement. On va. Mais punaise, mais ils sont. Bon, allez. Allez, un. Non, mais enfin. Je te dis que, franchement, on va voir ce qu'on fera après. Allez, conduire. Thank you.
mec qui s'arrête juste après avoir tourné, t'angoisse. Ah d'accord, il y a un pont, d'accord, ok, bon. Ouais, ça va être difficile, non, ça va pas être difficile, il suffit de faire un tour. C'est vrai qu'aux États-Unis, les ronds-points, ils en ont pas beaucoup. Et ils savent pas les prendre. Alors quand t'as un Américain qui prend un rond-point en Europe ou en France, le mec il panique. Non mais qu'ils mettent des feux quelques secondes, ok, hein, franchement c'est long. Ouais, c'est quoi le centre d'intérêt? Ah, c'est la vidéo, la petite cinématique, hop. Et elle est juste là. Donc effectivement, après il suffit de traverser, hein, c'est pas bien compliqué. Ok, Alors, qu'est-ce que c'est? La ville de Boise, ben, bien évidemment. Ça doit être l'État. Je crois que c'est la capitale de l'Idaho, Boise. Ouais, je crois que c'est la capitale de l'Idaho. Et oui, les États-Unis, c'est un pays fédéral qui est constitué d'États. Ah, on dirait le premier tracteur, là. Mais donc, oui, on est bien dans une région agricole. Bon, allez, c'est bon. Ok, donc là, on va se faire un petit chemin pour aller ici. Et ensuite là. Et puis ensuite, eh ben, on dormira ici, hein, et puis on fera notre petite pause. Et on sera prêt pour le prochain voyage. J'aurais dû me mettre à côté. Parce que là, je vais faire chier les gens qui sont derrière moi. Voilà. Aux États-Unis, effectivement, même quand t'as le feu rouge, si tu veux tourner, tu peux y aller. Fais attention. Tu mets ton clignotant, que tu attends, que tu marques, que tu fasses bien attention. Bon là je pense qu'on va avoir un garage et puis comment ça s'appelle, un job center. Je pense que sur la gauche ça va être un job center. Non, sur la gauche on a un hôtel, je sais pas, on va voir. Là le premier je pense que c'est un job center.
c'est un tout petit emplacement. Ici, c'est un job center direct hire. To hire, c'est louer, et direct, c'est location directe. En gros, c'est louer un chauffeur directement. Et là, tu as plein de petites voies de chemin de fer qui, c'est marrant, hein, c'est très courant finalement dans ce jeu-là d'avoir des petites voies de chemin de fer qui traversent certaines villes. Et là, ici, on a un garage. Et c'est encore Peterbilt, on dirait. Non, c'est International. Bon, eh ben, on va réparer. Et il est quelle heure? Il est 17h23. Ok, 17h23. Est-ce que combien de temps me reste-t-il avant de dormir? 6 heures. Je pourrais faire encore un petit voyage, mais on va s'arrêter là pour notre premier voyage en Idaho. Voilà, donc la carte. Voilà, on a commencé donc notre voyage à Idaho Falls. Ensuite, on a fait Twin Falls et ensuite Boise. Donc, on a découvert Idaho Falls, là où on est parti, Twin Falls et Boise. On a découvert à peu près tout. Oui, les trois emplacements qui étaient à chaque fois, c'était découvert. Premier ici, ici 3 et 3 ici. Et s'il y a un petit bout de chemin, peut-être à Nampa, ça a l'air d'être pas loin du tout. Hein. Il y a une Barnes encore, mais par contre, il n'y a rien pour dormir, donc ça va être un peu chiant. Là, ici, il y a une ville qui s'appelle Oldham Owens, mais ça, on dirait que ça fait un peu quand même. On dirait que c'est à la fois sur. Sur l'Ontario et sur l'Idaho. Voilà. Sinon, on est ici à Boise. Ouais, non, pas. On fera peut-être une. On dormira. On dormira. Et on sera en pleine forme pour faire un tour. Et le mieux, ça serait d'aller sur Grangeville, Lewiston, Cœur d'Alene, Sandpoint. Qui sont assez loin, ce qui nous permettrait ensuite de redescendre. On va voir. On va voir, on va voir. Mais sinon, 2 heures pour aller à l'autre, ça serait pas mal. On serait même à la frontière, c'est pas important. Mais c'est plutôt sympa, le coin est plutôt sympa. Clairement, l'Idaho, c'est une région agricole. Y a qu'à voir, hein. Y a que les trois transports que j'ai faits, c'est une moissonneuse-batteuse, du foin, c'est assez parlant. Dans la capitale Boise, qu'est-ce qu'il y a? Il y avait un tracteur, il y avait un truc de pomme de terre. Bon, ça parle de. J'allais dire, ça parle de lui-même. Hein. Voilà, donc c'est. Moi j'adore. C'est vraiment intéressant aussi le American Truck Simulator, justement pour cette découverte de la géographie américaine, finalement par le jeu. C'est amusant et ça apprend plein de choses. Et pour les personnes un peu plus vieilles comme moi, qui ont eu dans leur jeunesse une culture qui était très marquée par le western, ça, c'est des noms qui évoquent des choses, des films, des scènes d'action. C'est à la fois intéressant d'un point de vue, on va dire, géographique, culturel, et c'est un petit côté nostalgique. Donc, plein de raisons pour aimer ce genre de choses. Et puis bon, il y a les camions américains qui ont de la gueule. Alors là, c'est vrai que il a peut-être pas encore tout à fait, mais je vous assure, allez sur YouTube, regardez par exemple, regardez camion Mack Truck, et regardez les gros camions avec les grosses cabines derrière, avec cuisine, un vrai lit, un
un vrai frigo, c'est extraordinaire. Moi, je trouve ça extraordinaire. Même les plus luxueux des camions européens, c'est au mieux, c'est une grande couchette derrière avec un petit frigo, mais à côté de ce qu'ont les Américains. Et là, je dois avouer que le gigantisme américain a du bon. En tout cas, les chauffeurs qui ont les moyens de se payer ce genre de camion mènent non pas une vie agréable, mais en tout cas plutôt confortable, on va dire. Ouais, c'est plutôt sympa. Et oui, ça a de la gueule. Moi, je trouve que le Mac, il a de la gueule. Il fait costaud, quoi. Il fait costaud, il fait. Ouais. Il fait costaud. Voilà. Allez, c'est tout pour aujourd'hui. À la prochaine. Ciao, ciao.